comme mon compagnon de Nathalie, elle fait partie de FDC. De la caravane. De la caravane, effectivement. Et donc, je voulais lui poser quelques questions. Alors, concernant la caravane, madame, vous n'avez pas le temps de voir les coureurs quand vous passez comme ça? Non, parce qu'en fait, il faut savoir que nous partons une heure avant les coureurs. Nous réalisons le même circuit qu'eux. Et c'est à l'arrivée qu'en fait, que nous avons le plaisir de les voir sur la ligne. Et si, sinon, bon, alors, c'est vrai qu'on a aussi des questions d'arrêter dans la voiture. Ça nous permet effectivement de savoir où ils sont tout le long du parcours. Bon. Voilà. Donc, moi, je voulais dire une question. Alors, j'ai ma collègue qui demande la caravane sert à quoi exactement. Tu peux nous dire sur le tout qu'est-ce que nous avons. Alors, en fait, la caravane, c'est une façon pour les partenaires d'avoir une certaine visibilité. Déjà, puisqu'en fait, on s'occupe tout le long du parcours des coureurs. Et d'autre part, c'est aussi une façon pour nous de rencontrer et d'envoyer aussi des cadeaux. Il y a des personnes qui meurent d'envie de voir la caravane et d'attendre aussi. Mais à quelque soit l'heure, ils sont déjà près de la route pour atteindre le passage de la caravane. De la caravane. Alors donc, voilà, madame, donc votre mission a pris fin là, si je comprends bien. Aujourd'hui, alors, pris fin, c'est-à-dire qu'au niveau de la distribution du parcours, on a terminé, mais nous sommes aussi, nous avons aussi un maillot, donc nous attendons donc l'arrivée des coureurs, de connaître le classement et d'aller au protocole pour remettre le maillot jaune. Ah. Et il faut savoir que en plus du maillot jaune, nous avons quand même un petit objet emblématique, qui est le manicou. Oui. La mascotte, une peluche que nous habillons aussi en jaune et que nous remettons chaque jour au maillot jaune, au coureur qui porte le maillot jaune. Il a son manicou aussi. Il a son manicou. Il a son maillot jaune et son manicou. Voilà. Oui. Alors, si chaque fois il gagne l'étape comme ça. Il a toujours un petit manicou, il a 7 manicou alors. C'est-à-dire que c'est ne reçoit le manicou que le porteur du maillot jaune. Celui qui partira en jaune le lendemain. Le lendemain, voilà. Oui, mais si lui il endosse encore le lendemain, ah, bah, non, c'est lui, il est maillot jaune. Ça change quoi, change quoi. Eh bien, il aura le manicou jusqu'au dimanche. Ouais. Voilà. Et qu'il y a comment dirais-je, assemblage du manicou. Il a fait, ouais, il a fait un élevage du manicou, voilà. Alors. Ouais, alors donc, content de vous avoir rencontré, Nathalie, et puis bon, ben, pour Andy FM Martinique, nous sommes fiers de savoir, de faire plusieurs connaissances avec vous et connaître le bon déroulement du tour avec la grave. Le contenu de la parole. Voilà. Ok. Alors donc, Nathalie, merci une fois de plus et puis au plaisir de t'entendre sur le coup de tout à nouveau. Quoi. Ben avec plaisir, merci. Et puis à très bientôt. Donc nous sommes présents jusqu'à dimanche, peut-être pas moi, mais il y aura toujours un collaborateur de la FDJ jusqu'à présent. Donc à très bientôt. Oui, et puis je m'excuse, à bientôt. Je m'excuse, pourquoi? Parce que
Je suis en train de présenter le micro à droite, à gauche, en haut. Non, mais il n'y a aucun souci. Mais je suis, à droite, à gauche, mais je suis dans, on dirait, dans le bon champ. Donc, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est gentil. Ah ben, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Bon appétit. Merci, à vous aussi.